Bonjour en Afrique, c'est de souhaiter tout ce qui est bon pour son prochain. Donc également au niveau de l'aide à Brassa, nous vous disons bonjour, nous vous souhaitons tout le bon, toutes les bonnes choses de la journée et appelez aussi pour pouvoir souhaiter les bonnes choses à qui vous voulez bien souhaiter. L'émission, c'est l'émission de reconnaissance, de remerciement à tous nos bienfaiteurs depuis l'aide à Brassa, les gens qui font beaucoup pour l'aide à Brassa. Notamment, nous allons commencer toujours par notre premier magistrat, Monsieur le maire, Monsieur Farikou Soumaoro. Bonjour à toi, Monsieur le maire. Bonjour à tous tes collaborateurs. Bonjour à tous ceux qui sont à la mairie. Bonjour à maman Abiba Diara. Maman Abiba Diara, vous êtes saluée. Bonjour à vous. Également à notre conseiller municipal, là, Monsieur Issa Bamba et Madame Laetitia. Laetitia, Madame Laetitia, bonjour à vous tous, bonjour. Même si nous ne l'avons pas cité au cours de l'émission, au fur et à mesure qu'on avance, c'est ça. nous allons saluer qui il faut saluer. Bonjour à Bambaza, bonjour à Sidibé Ibrahim, bonjour au président AKC, Oui. ici. Bonjour à M. Solomon. Voilà, Solomon Sanogo. Bonjour à Bonjour. Madame Pilar. Madame Bonjour à Pilar. Madame Djeneba Touré. Madame Vraiment, Djeneba bonjour à Touré, vous salut. tous. Bonjour à vous Bonjour tous. à Ça vous fait un tous. grand sourire quand vous dites bonjour ce matin. On a un premier appelant. Oui. Allô? Allô, bonjour. On a du mal à entendre ce matin. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Il est ouvert, j'espère, notre téléphone. Allô? 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 Bluetooth note. D'accord. Un souci technique. Voilà. Technique. Donc, nous rappelons toujours qu'il faut appeler. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez toujours appeler pour pouvoir saluer les trois personnes. Comme je disais tantôt, l'émission vient de commencer. Il y a un petit léger d'aménagement au niveau du Ça, programme. tout à fait. Vous l'avez remarqué, on a commencé à 10h00. Et ça répond à vos préoccupations. Vous avez dit 9h, c'est un peu trop tôt. Donc, Oui. voilà. Donc, on a choisi de faire désormais à partir de 10h00. Voilà. Donc, à Voilà. 10h00, l'émission commence. Bonjour matinale. Et vous appelez, on l'a dit, à deux numéros. Le 02 79 79 70 ou bien encore le 86 52 0004. Et Appelez. le 56 82 et 56 le 86 52 52 0004. 0004. Voilà. Et 86 Vous 52 appelez, vous saluez 0004. trois personnes. Vous dites coucou à trois personnes, Oui. vous dites un gros bisou à trois personnes, ça Oui. dépend. En tout cas, ça vous appartient, vous appelez et vous saluez. Et vous saluez. Cette émission est la vôtre. Effectivement. Cette émission permet effectivement de saluer, comme on a dit, des personnes qui Oui. peuvent être proches ou bien loin. Effectivement. La dernière fois, on l'a dit, ça peut même finir des palabres. Parfois, on a fait un petit discours, Oui. mais comme, bon, on est un peu trop orgueilleux, on n'a pas envie de venir te dire pardon, attends, voilà. C'est une occasion d'appeler, j'appelle à l'antenne ici, et puis tu peux dire avant-hier, mercredi, il y a eu un petit discours, mon frère sang. Bon, c'est quelqu'un réfléchi, vu qu'il n'a pas raison. Hein. Donc ce Effectivement. matin, il y a appel sur le plateau de l'aide à Brasse pour demander pardon, ou bien Pardon. encore pour dire bonjour, mon frère sang a laissé tomber. Bon, Oui. quand on entend ça comme ça, là, tu vois la joie qui l'anime. Effectivement. Voilà, donc vraiment, cette émission est pour vous. Vous pouvez appeler. On a un appel là. Allô? On va s'entendre. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Voilà, c'est monsieur. mieux. Monsieur Boukma. Monsieur Monsieur, Boukma. toujours rendez-vous, le premier Le appelé. premier appelé, Monsieur Boukma. Merci à vous également. Le plaisir pour nous. Oui. Vous appelez quel quartier, Monsieur Boukma? Ok, j'aimerais saluer trois personnes. Vous aimeriez saluer trois personnes. Oui, Oui. allez-y, monsieur. D'abord, on me dit spécialement des pensées à l'enfant de ma mère et de mon père. À l'endroit Monsieur donc Boukma est dans le Zambo. Oui. Votre parent. J'ai fait un peu beaucoup. À son père, à sa son mère. père, sa mère. Ensuite, à ma grande soeur, pour actuellement, qui ne porte pas bien. La Ah, grande vous, soeur. l'établissement est la grande soeur. Vraiment, porte-toi bien. Et à ma femme. Et c'est votre le Oui. de la place. Ah, Merci merci beaucoup. beaucoup, Monsieur Boukma. Et vous aussi, vous Ouais, êtes salué. franchement. Ouais, franchement, je vous encourage beaucoup et c'est pas facile, mais vraiment, vous faites beaucoup pour surtout nous qui sommes en diaspora, qui ne sommes pas à place carrément, vous faites beaucoup, beaucoup pour nous, vous ne savez pas à quel point. Parce que ça nous aide à avoir certaines informations qu'on n'a pas parce qu'on n'est pas sur place. Et ça, on vous remercie et on vous encourage encore.
de persévérer dans ce que vous faites. Merci beaucoup, monsieur, également. Vous, merci également. Comme je l'ai dit, grand merci à vous et tous ceux qui nous suivent actuellement depuis là où vous êtes. Merci, monsieur Bourgois. Okay. Ces paroles sont vraiment merci très beaucoup. Fortes. Merci. Bonne journée à vous. Une vive paix d'avance, donc. Ouais. Voici quelqu'un qui nous soutient oui. vraiment. On a n'hésite dit... pas à appeler. Et comme je l'ai dit, c'est un grand styliste. C'est un monsieur de la mode. Mm-hmm. Il a travaillé pour des grandes maisons de couture. Aujourd'hui, il a son propre compte. En tout cas, si vous voulez joindre M. Bourgois Fashion, pour découvrir ce qu'il est capable de vous faire comme modèle, homme comme femme, vous pouvez joindre l'équipe de l'aide à Brasse. Nous avons son contact et nous pourrons vous mettre en contact. Vous verrez de quoi il est capable. Oui. Merci beaucoup, M. Bourgois. Merci, prompt établissement à sa grande soeur. À sa grande soeur. Pour Tom Bourgois qui est malade, comme il a dit. Oui. Vraiment, porte-toi bien, grande soeur. Voilà, peut-être que vous savez ouvrir. On te rappelle là. Voilà. Bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, vous êtes à l'aide à Brassa. Comment vous appelez, monsieur? Monsieur Diarra Ladji. Monsieur Diarra Ladji, bonjour à toi. Monsieur Diarra Ladji, le président du quartier Shalom. C'est bonjour, ça? Président. Merci, bonjour. Bonjour, monsieur le président. Oui, ça va, par Dieu. Ah, Dieu merci. Monsieur le président, vous voulez saluer trois personnes. Ok. La première personne à saluer, M. Batrudi. Oui. Je vais tout d'abord ma maman. À la suite de cela, je remercie toute la population de Shalom. Toute la population de Shalom les salue. Et la personne, Je vais Traoré. Voilà, les trois personnes qui veulent saluer la famille de Bantini. Ah, vraiment, monsieur le président. Merci beaucoup. M. Diarra l'a dit. Ouais, merci beaucoup. Merci d'avoir cette pensée-là pour toutes ces personnes. Okay. Et bonjour à vous, monsieur Ladji. Ouais. À travers le président, toutes nos salutations au quartier Shalom. Voilà. Merci beaucoup également. Et plein de choses à tout le quartier Shalom. C'est ça. Et là, il m'a inspiré. Moi aussi, je vais saluer ma maman. Oui. Maman, bonjour à toi. Maman Kona Chantal. Je te dis bonjour. Donc, maman, salut aussi mon père. Mon père, Kwadwo Daniel, bonjour. Bonjour, oui, papa. Et salut aussi en même temps toute la famille. Toute la famille, effectivement. Voilà, toute la grande famille qu'on a. Bonjour à vous. Bonjour à vous, maman, papa. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et nous avons un autre appelant. Voilà. On prend l'appel là. Bonjour. Allô. Allô, bonjour. Vous l'avez compris, chers internautes, vous pouvez appeler pour parler même dans vos patois respectifs. Ça peut être à Malinké, ça peut être en Baoulé, ça peut être en Dida, en Goro, en Bété, tout ce que vous voulez, même en Moussi. Donc, vous pouvez appeler et vous saluer dans la langue que vous comprenez le mieux, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà. Même nous ne sommes pas à mesure de répondre tout, mais on va écouter quand même. Voilà. On vous donne la chance, c'est une occasion aussi pour vous de bien parler votre langue maternelle ou paternelle. Là. Voilà, également, c'est tout ça, la Brasse. Voilà, donc on attend toujours vos appels. Là. Oui. Ouais, c'est nous, bon. Un appel en plus.
Bonjour. Allô, oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame ou mademoiselle. J'aimerais intervenir à Saïd Abraz. Oui, okay. Vous êtes allé d'Abraz. Vous êtes allé. Votre nom, s'il vous plaît. Madame Adia. Madame. Madame Adia. Adia. Madame Adia. C'est ça. Madame Adia, vous appelez de quel quartier? J'appelle de Bromarodé, Harlem. Harlem City. Allez-y, madame Adia, les trois personnes que vous voulez bien saluer. Bon, j'appelle pour dire mon premier bonjour à l'endroit de l'animateur Joël. L'animateur Joël est salué. Merci beaucoup, madame Adia. Oui, à tous la grande famille Abraham. La grande famille Abraham. La grande famille Abraham. Le 201. Le 201, oui. Voilà. Et bon, si elle s'allait. Imam Bambara est salué. Merci beaucoup, madame Adia. Et vraiment, en fait, bon voyage. Que Dieu vous accompagne. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Bien des choses à vous. Merci. Merci à vous également. Nous sommes très ravis de recevoir des appels là, voilà, des appréciens. C'est ça. Fais comme M. Bouma, fais comme M. Diara, fais comme Mme Adia. Voilà, appelez et puis voilà. Saluez trois personnes, faites coucou à trois personnes. On a encore une appel. Nos internautes sont bien debout, sont bien heureux aujourd'hui. Allô? Allô? Là, nous n'entendons pas. Allô, vous êtes là? Ok, donc veuillez rappeler. Veuillez rappeler. 02 69 69 70. Pour le 86 52 00 04. Vous pouvez toujours appeler. 86 52 00 04. Vous pouvez toujours appeler. Le téléphone est toujours ouvert. Toujours ouvert. Vous pouvez appeler. Salut les trois personnes. 2, 5, 1. Allons-y. Allô. Allô. Allô, bonjour, monsieur. Comment ça va? Oui, ça va très bien, monsieur. Naïga. Vous êtes à l'œil d'Abraz à l'émission en direct. Oui. Bonjour matinal, oui. 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 C'est monsieur Ali Maïga. Monsieur Ali Maïga. Ok. Bienvenue, monsieur Ali Maïga. Nous permettons de saluer trois personnes ce matin. Vous nous entendez? Allô. Oui, allô. Allô. Vous pouvez saluer trois personnes. Bonjour. Vous êtes en direct. Bonjour. Oui, c'est M. Maïga Ali. Oui. Quartier Chicago. Quartier Chicago. Ok. Présentement à William Fouvier. Oui, M. Maïga. Bien compris, M. Maïga. Vous pouvez maintenant saluer trois personnes. Oui, on ne fait pas de jaloux, on va le faire à Boubac. D'accord. Saluer la grande famille Maïga. La grande famille Maïga. Pour ma coquille. Oui. Et saluer tous les Abraciens. Tous les Abraciens sont salués. Oui, et Dieu que vraiment Abraciens soit humé à jamais. Oui. Et tous mes encouragements à tous les techniciens. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Maïga. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir. C'est mon bonjour. Merci également. Plein de vraiment, choses à vous et à la famille. Voilà, très bon week-end à vous aussi. Okay. Et merci d'avoir appelé. C'est tous les vendredis à 10h. Merci beaucoup. Tous les vendredis à 10h. Merci, monsieur Maïga. Alors, les téléphones sont toujours ouverts. Hein? 86 voilà. 52 0004. Ou bien le 02 79 70. Tout à fait. Donc, vous pouvez toujours appeler. Donc, vous pouvez toujours appeler, comme l'a fait tantôt notre grand frère, notre tonton, monsieur Maïga. Voilà. Depuis Williamsville, comme on l'a dit. Oui. La Brasse, pas forcément être à Brasse. Même si vous êtes à l'extérieur de la Brasse, ouais. Vous êtes toujours à Brasse. On se souvient que lors de notre deuxième émission, oui. On a reçu deux ou trois appels depuis la France. Depuis la France. Un appel depuis l'Italie. Depuis l'Asie. Les gens peuvent appeler, voilà, depuis l'Asie, c'était ça. Les gens peuvent appeler depuis partout où ils sont. Voilà, nous sommes depuis avec vous. Même si vous n'êtes pas à Brasse. Ouais. Même les Abraciens de l'extérieur, vous pouvez participer, notamment depuis votre commentaire ou pour vos SMS. Là, on a encore un autre appel là. Allô? Allô? Allô, bonjour? C'est monsieur? C'est monsieur? Vous appelez comment, monsieur? Je m'appelle Guindo Ismaël. Guindo Ismaël. Ok, vous appelez de quel quartier?
de Chicago. Ok, bienvenue, vous êtes en direct à Bonjour Matinal sur l'œil d'Abras. Vous saluez trois personnes maintenant. Vous êtes en direct, vous pouvez saluer trois personnes. D'accord, donc M. Guindo Ambogo Mustapha, président du quartier Chicago, oui. Alors, monsieur? Oui, on vous écoute toujours, on vous écoute. Ah, salut sa maman. Ok. Salut, maman chérie est saluée. Et la troisième personne, monsieur Guindo? Vous avez salué deux personnes, il reste une personne. Oui. Ah. Ok. Salut son patron donc. Mon patron est salué. Monsieur Guindo, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup d'avoir et appelé. Pour vous et saluer tout le quartier Chicago pour nous. C'est ça. Tous les vendredis à 10h. Merci beaucoup, monsieur Guindo. Oui, nous savons, j'ai remarqué quelque chose. Oui. En dehors de M. Bouma, il n'y a pas quelqu'un qui appelle et puis qui salue sa femme et sa chérie. Oui, ça, nous pouvons être salués également, c'est notre moitié. Voilà. Maintenant, le problème, c'est quoi? Peut-être que, bon, il ne veut pas se créer des problèmes en appelant sa chérie. Je pensais lui-même, il, tu vois, non? Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est ça. Ah, et non, c'est ça. On pouvait saluer notre moitié, nos femmes doivent être saluées. Ah, effectivement, Joël, je te rejoins pour dire quoi? Les femmes font beaucoup pour nous. Hein? Ouais, beaucoup, les femmes font beaucoup pour nous. Elles font des bons repas pour nous également. On a un appel en cours. On le prend. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allez, pour salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à vous. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Le toi qu'on dit. Il t'en va. Il t'en va qu'on dit. Sidibé Lassina. Monsieur Sidibé Lassina. Broma côté. Ok. Broma côté Kate Dma. Hein? Broma côté Kate Dma. Belém. Ok. Belém. Ok. Ok, on vous écoute, monsieur Sidibé. Mais c'est la mort, ça va pour ça. Amina. Merci également à monsieur Sidibé. Voilà, il nous appelait depuis. Si on doit traduire ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il a. Oui. Il a dit qu'il saluait le président Diarra pour tout ce qu'il fait pour le quartier. Oui. Et également, il saluait tout le quartier depuis l'habitat et tout Abrassien Belém et tout Abrassien. Et également, il salue les membres techniciens et les présentateurs de l'œil d'Abrassam. Voilà. Et puis donc, que vous saluez personnellement, M. Moussapa. C'est tout le monde salue. Donc merci beaucoup d'avoir appelé encore. Merci beaucoup. Donc on attend toujours vos appels, appelés pour pouvoir saluer les trois personnes. C'est ça. On attend toujours vos appels, comme Joël le disait, habituez-nous à saluer les plus proches. C'est ça. Les gens qui sont plus proches de nous. Pourquoi ne pas appeler pour saluer votre fils? Ça, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Saluer ma fille, mon fils également. Le fils également peut appeler aussi saluer maman, papa. C'est ça. Voilà, c'est ça, on veut tout ça. Hein? Il faut saluer. On l'a dit, de nos jours-là, c'est important en fait. On doit pouvoir dire à son fils qu'on l'aime. Bon, on n'est pas trop habitué à ça, mais ça, c'est un canal aussi. Il peut appeler, le père peut appeler pour dire je salue mon fils et vraiment, je veux lui dire que je l'aime de par votre canal. Oui. Je veux lui dire que je compte sur lui.
voilà, que je lui fais confiance. Mais des choses, quand on entend, vraiment, ça reste ancré dans l'âme même. Ça reste dans l'âme. Donc, vraiment, toutes ces choses, on peut les faire. Nous sommes en direct de l'aide à grâce, c'est Bonjour Matinal. Et c'est votre émission. Nous, on vous permet de pouvoir communiquer. Communiquer, effectivement. Donc, cela crée une certaine confiance. Voilà, c'est ça. Et de la communication, surtout au niveau des parents, le fils et le père, ou la mère, ou la fille également. C'est ça, tout ça. Voilà, car la communication est beaucoup importante dans nos familles. Très donc, l'aide à bras, comme on l'a dit, c'est tout ça là, ça englobe tout ça là. Ouais. Comme ça finit par là, ça résout les problèmes et ensuite. Voilà, et ça renforce encore les liens parentaux entre les frères de la Bansab. Donc, je rappelle que nos frères qui sont à l'extérieur peuvent participer également par rapport aux commentaires. Oui, ils peuvent toujours appeler et participer par rapport aux commentaires, voilà. Nous écrire. Oui. Et ce que vous allez écrire sera communiqué depuis... Tout à fait, vos messages seront relayés. Ici, voilà. Même en direct. Nous vous rappelons que l'aide à bras a lancé depuis quelques petites semaines, un projet depuis le mois de janvier, nous sommes en janvier. Oui. Le projet est intitulé « Connais-tu mon quartier ?» Connais-tu mon quartier est passé d'abord par le quartier Irak City. Oui. À deuxième position, nous avons fait le quartier Shalom City avec le président Ladi Diarra. Et nous sommes actuellement sur le quartier Détroit City. Détroit City, vous avez déjà vu le micro-trottoir, les images du quartier, tout est déjà sur la toile. Oui. Vous allez sur le compte YouTube de l'Aide à Brasse. Vous tapez simplement l'œil d'Abras. Sur YouTube, le logo, il est bleu, tout beau. Vous allez et vous abonnez. D'accord? C'est un challenge pour vos chers Abrassiens. Abonnez-vous nombreusement, massivement sur le compte YouTube de l'œil d'Abras. Oui. Nous vous attendons. Le prochain quartier oui. De Goyet, mon quartier, ça sera le quartier Zénith. Vous êtes prévenu, le quartier Zénith. Dans Zénith, vous pouvez déjà vous aussi appeler. Irak City, on vous sent pas. Appelez. Pour saluer Shalom, on vous sent, c'est bon, on vous Shalom sent, également. C'est bien. Alain même aussi, on vous sent bien, oui. Là c'est de chez moi. Donc, Détroit City, on vous attend, appelez pour saluer trois personnes. Merci pour l'accueil aussi que vous avez réservé à toute l'équipe de l'aide à Brasse lorsque nous étions au quartier Détroit. Oui. C'est ce que nous demandons donc à tous les quartiers. Nous déployons notre équipe, nous venons sur le terrain. Ce qu'on vous demande, c'est bien nous recevoir, c'est tout. Cheers. Et merci au quartier Détroit. 5, 1, 3, 4. Allô? Bien, bonjour. Monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, c'est Konate Adama. Monsieur Konate Adama. Vous nous appelez d'où, monsieur Konate? J'appelle du quartier Chicago. Du quartier Chicago. Quartier Chicago. Bien, présenté. Oui. Nous vous écoutons donc. Saluer trois personnes. Oui. Nous vous écoutons. Vous pouvez saluer les trois personnes que vous voulez bien saluer, M. Konate. Oui, bon, bonjour à directement au président de la Chicago, M. Ambalo. M. Président est salué. Ok. Oui, le président Chicago, oui. Oui. La deuxième personne que je salue, c'est M. Kouli Abdoul Karim. M. Kouli Abdoul Karim. Voilà, le président de la Chambre de Médicis la Jamil. Oui. D'accord. Et mon frère, bonjour à tous les enfants du quartier du Gabon, où je travaille, où je gagne, où je fais mon gain-pain. Oui. À tous les enfants du Gabon. Voilà, merci beaucoup à vous. Message bien reçu, 5 sur 5. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir appelé. Ok, d'accord, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Ouais, merci à vous également. Bon week-end. Et nous profitons, puisque nous sommes au quartier Chicago, nous préférons saluer notre maman Apolline. Votre maman Apolline, voilà. Salut. Apolline, bonjour. Bonjour à toi, notre maman Apolline. Voilà. Bonjour à toi et bonne chance encore. Ouais. Et bon appétit à tous les clients. Merci pour tout ce que tu fais pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci également. Voilà. Donc on parlait de connaître mon quartier. On a dit, nous sommes actuellement au quartier Détroit. Et aujourd'hui, vendredi. On prend l'appel. Les appels sont vraiment prioritaires. Allô? Allô? Bonjour. Ankoba. Elle est sera. Elle sera. Comment va-t-il? Oui. Je suis à Chicago. Chicago. Ok. Et toi, Goli? La famille Doumbouyate. Pardon? La famille Doumbouyate. Je suis à Tabako. Mustapha Gindo, ok. Non,
Merci beaucoup, madame Doumbia. Attends, David, maman, elle voulait que vendredi, ben. Voilà. Ah, faut nous on dirait toi, voulait que. Tout le vendredi à 10h. Merci beaucoup, madame Doumbia. Merci. Merci beaucoup à madame Doumbia et tous les quartiers de Chicago. Oui, le président du quartier Chicago. C'est un monsieur aussi qui faut le dire. Quand c'est bon, il faut le dire. Oui. Il a été. On a un autre appel. Voilà. Un autre appel, on lui en parle. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Nous sommes en direct depuis l'aide de la place. Ah, monsieur, connaissez le monde. Ok, d'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment vous allez? Oui, nous allons très bien. Très bien, monsieur. Oui. Ça nous fait plaisir de recevoir votre appel. Ok, là où vous êtes en direct, vous êtes à Bonjour Matinal et maintenant on vous permet de saluer trois personnes. Ok, merci beaucoup. Oui. Mon premier salut va à l'endroit de ma petite famille. La petite famille est saluée. Oui, surtout à ma tienne aimée, Sila Aminata. Sila Aminata. Qui fait tout pour gérer les enfants. Oui. C'est bon enfant pour le mieux être des enfants. Oui. Ensuite, le deuxième salut va à l'endroit de la grande famille Kone. La grande famille Kone. Peut-être à Brasse, à Bobo, à Nama, partout en Côte d'Ivoire. D'accord. Et à l'extérieur. Oui. Et surtout à ma mère qui m'a donné le jour. Oui. Qui est actuellement en voyage. Ah, ok, d'accord. Et le troisième salut, c'est quand même comme on se rend compte dans l'aide d'Abrasse à tous les abrasseurs d'ici et d'ailleurs. Tous les abrasseurs sont salués, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Kone. Okay. Voilà, merci également à toute la famille. Bon, Kone. Bon week-end à vous. Ok, bon courage à vous aussi. Merci. Ah, ça fait plaisir d'être encouragé, ça fait vraiment plaisir. Le monsieur, il a salué sa femme et il a dit que son épouse, qui lui-même il reconnaît, elle fait beaucoup de bien à la famille, elle prend soin des enfants, tout ça. C'est ce qu'on disait. C'est l'occasion de passer un message parce que peut-être vous n'avez pas toujours le temps de le dire à votre femme à la maison. Oui. Mais c'est une occasion pour vous d'exprimer ça, de dire à madame que c'est pas parce que, bon, quand il arrive à la maison, je ne parle pas, que je ne vois pas. Je vois tous tes efforts. Voilà, donc de temps en temps comme ça, on peut l'exprimer. C'est très important. Les femmes aussi aiment ça. Effectivement. Mais c'est vice versa. Les femmes aussi peuvent appeler pour, voilà, pour dire des choses bien à l'endroit de leur mari. Moi, je pense que c'est un sujet, il faut organiser cela pour pouvoir bien en débattre. On remarque qu'en Afrique, chez nous également, rares sont les hommes qui félicitent la femme, qui prennent le temps de féliciter la femme, de reconnaître quand même les bienfaits que la femme le fait. C'est ça. On se dit si on dit, si on lui dit, elle va arrêter de faire. Alors que bon, c'est pas toujours comme ça. Quand tu lui dis, ça l'encourage. Oui. Voilà. Moi, je pense qu'ils prennent ça pour une faiblesse des hommes. Et c'est cela, il est avéré. Bon, non, c'est pas avéré. Dis à quelqu'un, dis à ta femme, ta moitié, que j'aime ce que tu fais, je t'aime. Et tu fais bien les choses. Oui. C'est pas de la faiblesse. C'est plutôt une force. C'est une force d'avoir le courage de l'avouer. Parce qu'on est très souvent pris par la honte, tu vois. Et quand on a honte, on n'arrive pas à dire ce qu'on ressent, c'est plutôt de la faiblesse. Donc le dire, c'est ça qui est la vraie force. Donc voilà. Bon, il y a la honte qui est là, comme vous l'a dit M. Joël, mais souvent c'est pas l'orgueil. On ne peut pas mettre ça dans le même type de l'orgueil. Les gens ne sont pas un peu orgueilleux, n'est pas s'abstenir, n'est pas féliciter la femme, reconnaître quand même les bienfaits de la femme. C'est ça. Apparemment, on a 7 hommes qui ont appelé et combien de femmes? 3 femmes. Oui. Voilà. Donc, les femmes aussi se réveillent. Alors, on a 7 hommes, 3 femmes, ça fait déjà 10 appels.
Alors, les téléphones sont toujours ouverts. 02-79-79-70 ou le 86-52-00-04. Tout à fait. 86-52-00-04. Donc, voilà. Je rappelle que nous, sur la bureau de commentaires depuis les ambassades de l'extérieur, voilà, vos commentaires seront les bienvenus. Vous pouvez nous appeler les commentaires. Voilà, et nous dire là où vous êtes, car nous passons à vous. Nous sommes séparés du corps, mais du cœur, nous sommes toujours ensemble. Tout à fait, tout à fait. Donc, et pour revenir à connaître mon quartier, nous en parlions. Je disais, aujourd'hui, vendredi à 18h, ici même, au studio de l'Aide à Brasse, en direct, nous recevons le président du quartier Détroit. Le président sera accompagné certainement par le président des jeunes du quartier Détroit. Oui. Donc, nous aurons donc deux représentants du quartier Détroit et nous savons que tout le quartier Détroit sera connecté en direct de l'aide d'après. Ils seront connectés pour suivre l'émission en direct. En direct. Voilà. Le président, c'est Monsieur Akba. Monsieur Akba. Voilà, Monsieur Akba. Donc, le président du quartier rendez-vous Détroit. Pour tout de suite, tout à l'heure à 18h00. Nous vous rappelons également que cette émission, sinon ce projet Connaître mon quartier, où on consacre une semaine à chaque quartier, l'objectif, c'est de faire la promotion de chaque quartier. Montrer ce qu'il y a de bon dans chaque quartier. Parce que, à mon côté, à Adjamé, il y a beaucoup de qualités. Il y a beaucoup de bonnes choses. Les plus grands footballeurs quittent ici généralement, c'est ça. On a Armand Dendané, c'est un Abrassien. Hein? On a Zedou Doumbia, c'est un Abrassien. Donc, il y a tellement de bonnes valeurs qui quittent ici. Il y a trop de bonnes valeurs. J'en profite de Joël pour remercier beaucoup ce monsieur Doumbia Seydou. C'est ça. Merci également à vous. Merci pour tout ce que vous faites pour l'aide à Brassa. Car il faut le dire, reconnaître n'est pas mauvais. Voilà, les bienfaits sont toujours reconnus au niveau de l'aide à Brassa. Voilà, donc comme Joël le disait tantôt, on a eu des gloires fait la fierté de la Côte d'Ivoire, tout mais qui venait d'Abrassa. Il y a beaucoup de musiciens, des généraux aujourd'hui, des internationaux footballeurs qui jouent en Europe, qui sont respectés. Oui. Tout ça vient d'ici, quoi. Ça dit, il y a beaucoup de bonnes valeurs ici aussi. Donc, nous, on veut les mettre en valeur, tous nos quartiers, nos cités, tout ça, on veut les mettre en valeur. Voilà. Et la mairie, vraiment, a bien compris, et nous savons que la mairie nous suit. Oui. Et nous demandons à toute la population d'Adjamé, faites-nous des suggestions. Nous avons le projet, nous avons écrit, nous passons dans les quartiers, mais vous, faites-nous des suggestions aussi. Vous voulez que nous a Monsieur Kone du quartier province au 220 logements. Vous êtes salué. Merci beaucoup pour vos Monsieur commentaires. Monsieur Kone est salué depuis 220. Donc, faites-nous des suggestions dans ce sens. Faites-nous des suggestions pour que nous puissions améliorer davantage nos émissions, nos passages dans vos quartiers, nos activités sur le terrain. Voilà, nous sommes vraiment ouverts à tout ça. On l'a dit, c'est tout à Adjamé. D'accord, c'est pas à Bras, c'est pas pour mon côté seulement. Toute la commune d'Adjamé. 220, partout à Adjamé. D'accord, le projet concerne Adjamé. On a un appel. On le prend. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis à l'Union d'Adjamé. Tout à fait, vous êtes en direct. L'Union d'Adjamé, ça. C'est monsieur, votre nom, monsieur? Comment? Votre nom, s'il vous plaît. Ismaël. Ah, ok, d'accord. Ismaël nous appelle de quel quartier? Je suis Adjamé Mary. Ismaël, vous pouvez saluer les trois personnes. Comment? Vous pouvez saluer les trois personnes, monsieur Ismaël. Donc, mes salutations vont à l'endroit de mes différents collaborateurs. Les collaborateurs. Oui. Ok. Je suis ma chérie. Oh, chérie. Que j'aime toujours. Dont on taira le nom. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Adjana. Ah, d'accord, il est sérieux, monsieur. Je fais un gros bisou. Tu savais la grande famille qui est du côté d'Adjana. Vraiment bien aussi. Merci. La grande famille, elle savait, monsieur Ismaël là. Et bonjour à vous également. Voilà, et bon vendredi à tous. Que Dieu bénisse encore davantage votre activité. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est tous les vendredis à 10h. Merci également. Merci beaucoup. Merci. Et bonjour à vous. Donc, il faut dire que M. Ismaël, vraiment, j'appelle tout le monde à faire comme lui, parce que lui, c'est hier seulement qu'il a découvert l'œil d'Abrassa. Et aujourd'hui, il appelle pour saluer. Saluer. Donc, vous tous
qui aimait l'œil d'Abras, qui est d'Adjamé ou bien la Côte d'Ivoire ou bien d'ailleurs, qui aimait, qui voulait encourager. Voilà, c'est une occasion aussi de montrer votre intérêt pour l'œil d'Abras. C'est une occasion d'appeler même pour nous faire des critiques. Nous en avons besoin. Effectivement. Vous pouvez appeler à cette émission de Bonjour Matinal pour pointer du doigt quelque chose que vous avez remarqué. Peut-être une émission que nous avons faite, vous avez quelque chose. Voilà, toutes vos suggestions, toutes vos remarques. Nous ferons plaisir dans le sens que ça va nous permettre de nous améliorer. Effectivement. Voilà, donc vraiment. Surtout voilà, des critiques. Surtout des critiques. Constructives. Elles seront voilà. Les deux venues pour pouvoir rendre la chose encore plus intéressante. Toujours. Et plus parfaite. Parce voilà. Que notre bonheur, c'est de vous faire plaisir. Effectivement, c'est voilà. Notre conviction. Donc là, on va dire, nous sortons carrément à sa fin. À sa fin. Carrément, nous sommes là. Voilà. Le temps passe tellement vite. Tellement vite. Voilà, c'est un plaisir pour nous d'être là avec vous. Donc, il nous reste que quelques minutes pour finir. D'accord. Donc, vous avez le temps encore d'appeler pour ceux qui voudront bien appeler. Voilà, vous pouvez toujours appeler pour pouvoir saluer les trois personnes que vous voulez bien saluer. 02 69 69 70. Nous attendons toujours vos appels. Ou bien les 86 52 00 04. Tout à fait. 86 52 00 04. Donc, on disait tantôt pour appeler pour saluer vos femmes. Car reconnaître les deux faits des femmes. C'est encore une très très bonne chose. Et quand on parle de et femmes. Et vice versa aussi, les femmes doivent reconnaître aussi les deux faits des hommes. Quand on en parle, je profite pour saluer aussi M. Ali Ouattara. Monsieur Ali Ouattara. Qui s'est marié il y a le week-end dernier. Il a fait sa cérémonie et d'autres avec Ruth. Donc désormais, monsieur et madame Ouattara, félicitations donc à eux. Voilà, félicitations. Je propose pour annoncer que le président de la team 225, oui. M. Bougma Djibril, qui a eu. Une jolie petite fille, oui. Sa femme a accouché il n'y a pas longtemps. Le baptême se tiendra ce dimanche, le dimanche au quartier Paillé. Vous êtes tous invités. Voilà, vous êtes tous invités. Et ça aussi, il est d'abord à informer les gens, mettre les gens au même type de formation. C'est ça. Et dans les mêmes veines de remerciements, le papeterie Traoré est salué. Oui. Voilà. Monsieur Traoré. Monsieur Traoré, vous êtes salué. Bonjour à vous et à toute la famille Traoré. À l'occasion aussi, monsieur, comment on a dit, Libéry Traoré, lui, il confectionne. Des cahiers, des livres, tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez comme article, voilà, des bureautéries et autres, c'est ces choses-là qu'il fait. Donc, si vous voulez le contacter, vous contactez l'équipe de l'aide d'Abras, vous avez le numéro du service marketing, le 0533 97 50, service marketing et publicité. Contactez l'équipe de l'aide d'Abras, et puis voilà, vous pourrez entrer en contact avec M. Traoré pour vous servir, vos bureaux partout où vous êtes. En gros, et puis il les fait vraiment à bon prix. Vous voulez confectionner des t-shirts, des porte-clés. Vous voulez, en tout cas, toutes ces choses-là, mais vous voulez les faire en broderie. Vraiment bien joli comme ce que vous voyez là. Voilà. Et bien, vous voyez M. Ibissa. Ibissa Confection de Ibissa Design. Il vous les fait vraiment à des prix qui sont superbes. Ils sont super. Vous voulez ces mêmes t-shirts. Vous voulez des sacs, vous voulez des gouttes, vous voulez des, vraiment de tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Vous voyez monsieur Jean en service. Oui. Voilà, et vous les faites vraiment à très très bon prix. Et tout ça, vous contactez l'équipe de l'œil d'Abras. L'œil d'Abras. Et on vous met en contact. Voilà. Vous voulez louer même des véhicules. Location de véhicules partout en Côte d'Ivoire. Ne cherchez pas loin. Vous avez le groupe Banjo. Monsieur Banjo. Voilà, groupe Banjo. Contactez le groupe Banjo, vous avez des véhicules à disposition, des véhicules, si vous voulez des 4x4, des petits véhicules, en tout cas, vous avez ce dont vous avez besoin. Oui. Donc voici nos partenaires. Il y en a d'autres encore, mais au fur et à mesure, nous en parlerons au fur et à mesure de nos émissions. Voilà. Et nous vous invitons toujours à vous joindre à l'équipe de l'œil d'Abras, le service publicité et marketing. Est toujours ouvert, 05 33 97 50. Vous appelez juste et nous nous entendrons. Nous faisons la publicité de vos articles et voilà, nous pourrons travailler ensemble. Effectivement. Voilà, donc l'émission est toujours là. Le téléphone est toujours ouvert. Voilà. Vous pouvez toujours appeler au numéro qu'on a indiqué tantôt pour pouvoir saluer les trois personnes. Il y a eu beaucoup d'appels jeudi, mais on en veut encore. Oui. Comme je l'ai dit, l'émission, il ne nous reste pas trop de temps encore. Oui. Voilà, donc le petit temps qui reste, c'est à vous aussi d'en profiter, cela. De pouvoir appeler, pouvoir saluer les trois personnes que vous voulez bien saluer. Oui, nous disons merci à toutes ces personnes qui ont appelé. Vraiment, merci à vous. Merci à vous. Gros bisous à vous. Voilà. Et ne pas oublier nos frères et sœurs de la diaspora. Oui. Vos commentaires seront les bienvenus. Oui. Voilà, on a besoin de vos commentaires et vos SMS s'il faut.
voilà, pouvoir saluer les Abraciens, les Abraciens K, les Abraciens passent à vous également. Faites à l'image de Kadi Maïga. Kadi Maïga, notre Kadi Maïga depuis l'Angleterre. Kadi Maïga, vous êtes salué, bonjour à vous. Merci pour le soutien. À toute la famille, merci pour le soutien. Et tous les Abraciens depuis l'Angleterre sont salués. Merci également à vous, nous sommes de cœur avec vous. Vraiment, nous sommes très très contents. Nous sommes très très contents de voir nos frères et sœurs qui sont les Seigneurs penser à nous comme ça, comme Kadi l'a fait, Kadi Maïga. C'est ça. Donc on va faire une exception, on va saluer toutes ces personnes qui nous ont salués ici. Effectivement. Donc nous rappelons que M. Bougouma, depuis le quartier Alem, a appelé. Il était la première personne à appeler. Monsieur Ladji Diara, depuis le quartier Shalom. A appelé. Monsieur le Président. C'est ça. Madame Djeneba, depuis le quartier Alem aussi, a appelé. Madame Adia, depuis le quartier Alem City, a appelé. Elle est institutrice. Monsieur Ali Maïga, depuis le quartier Williamsville, a appelé. On vous l'a dit, c'est pas qu'il y a un bras, il faut appeler du partout. Monsieur Ismaël, a appelé depuis le quartier Chicago. Monsieur Sidi Bey, Lassina, depuis le quartier Belém. Konate Adama, depuis le quartier Chicago. Dumbia, depuis le quartier Chicago. Monsieur Kone Suleiman, depuis le quartier Israël. Et Monsieur Ismaël, depuis la mairie 1. Donc, vraiment, merci à vous tous. Merci à vous. Merci également à vous. Nous vous rappelons que désormais, le rendez-vous de Bonjour Matinal, c'est à 10h. 10h tapante. Vous êtes devant votre téléphone. Vous appelez. Vous saluez trois personnes. Vous faites comme Monsieur Ismaël, qui n'a pas hésité à saluer sa chérie. Oui. Donc, quand on a demandé le nom, il a même donné le nom. Ah, il s'est fait très confiant. Ça, c'est rare, ça. Oui. Combien de personnes peuvent donner le nom? Le nom, c'est soit en direct de Bulin, d'abord ça. C'est risqué voilà. Aujourd'hui. Donc, nous sommes en profiter de saluer Mme Traoré. Oui. Voilà, coucou à vous, chérie. Oui. Coucou et bonne journée à vous également. Oui. Voilà, donc on en profite pour dire félicitations à tous nos nouveaux mariés, ceux qui veulent de rentrer dans la grande famille des mariés. Donc, en parlant de nouveaux mariés, voilà. Madame Ariba Diarra était marraine hier du mariage, on va dire la fille de monsieur le maire, monsieur Fabien Soumaoro. Voilà. Donc nous profitons pour dire merci voilà, pour cette cérémonie en même temps. Toutes nos félicitations aux nouveaux mariés. Nouveau marié. Toutes nos félicitations. Voilà, toutes nos félicitations à vous. Et dit à tous ceux qui voudront rejoindre le groupe des mariés. Quand la porte est grandement ouverte, donc rejoignez le groupe car le mariage est beaucoup intéressant et demandez à ce que Dieu donne les moyens et surtout les moyens à nos jeunes frères qui voudront bien se marier et donner la chance à nos soeurs aussi qui voudraient bien se marier, qui les donne des maris vraiment qui pourra bien les aimer, qui pourra bien les prendre soin d'elles-là. Donc pour demain, nous avons notre sujet débat. Oui. Voilà, le sujet débat de demain. Oui. Voilà, nous espérons que les gens se sont passés. Il y a eu beaucoup de réactions. Oui. Alors, le sujet, c'est la sexualité en milieu scolaire, constat et conséquences. La sexualité en milieu scolaire, constat et conséquences. Il est vrai qu'on n'en parle pas, mais ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. C'est un fléau qui sévit encore dans nos écoles. C'est une réalité. Ne pas en parler de nos jours, en ce 21e siècle, c'est nous-mêmes nous tirer une balle dans le pied parce que ça nous gangrène. On en subit les conséquences. Aujourd'hui, de nos jours, combien de jeunes filles ne sont pas enceintes alors qu'elles ne sont même pas, elles sont pas majeures? Tu vois, des filles de 16 ans qui sont enceintes, des filles de 14 ans qui sont enceintes, ou bien même, il y en a même, c'est pire, qui s'adonnent à une certaine forme de prostitution. Donc, vraiment, c'est un sujet délicat, mais c'est un sujet très important. Oui. Donc, soyons scotchés. Voilà, donc le débat, samedi à partir de 16h. À partir de 16h, vous êtes tous invités à participer au débat. Comme Joël vient de dire, le thème c'est la sexualité au milieu scolaire. La sexualité, vous savez tous que c'est un thème, c'est un flot qui de plus en plus anime beaucoup notre milieu scolaire. Donc vous pouvez participer. Et pourquoi ce flot? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Et quelles sont les solutions que vous pouvez prendre pour que cela freine dans notre milieu scolaire? Donc tout le monde est invité à participer à ce débat pour que le débat soit encore plus enrichissant. Et ça va se savoir ce samedi, demain samedi à partir de 16h. Nous en parlerons sans tabou. Tous ces enfants, des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, on en parlera, ne vous inquiétez pas. Et qui sont obligés même à stopper les trucs, l'école pour ça.
y a beaucoup qui sont obligés de stopper l'école parce qu'elle est déjà enceinte, donc ça devient plus difficile. Donc c'est le moment d'en parler, c'est le moment de faire sortir tout ce qui peut être là. Et puis en plus de ça, on parle des enfants, mais il y a des enseignants même qui doivent donner l'éducation, qui eux-mêmes sont à la base de ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qui provoque tout cela? On vous a dit, on ne dira pas tout ici. C'est demain à 16h. C'est un avant-goût. C'est ça. Demain à 16h. Et ça sera chaud dans ce studio parce que nous en parlerons. Ça sera sans tabou. Si vous pensez que vous êtes trop sensible, évitez de suivre notre émission de demain à 16h parce que nous en parlerons. Effectivement. Donc, comme je disais tantôt, il nous reste 2 minutes depuis la fin de l'émission. Ça a été un plaisir pour nous. C'était tellement intéressant. On a même passé un peu le temps. Effectivement, voilà. Le temps prévu est passé. Mais tellement il y avait beaucoup d'appels. Donc les techniciens ont jugé de prolonger un peu le temps pour pouvoir permettre à tous ceux qui voulont appeler, pouvoir appeler pour joindre l'équipe d'Abras depuis l'émission Bonjour Matinale. Là. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu plusieurs personnes qui ont appelé, des dizaines de personnes dont je voulais dire. Merci à vous également, merci à tous ceux qui ont appelé depuis les quartiers Harlem City, les quartiers Chicago, quartiers Israël, quartiers Williamsville et autres. Des gens qui nous ont fait depuis l'Angleterre. Depuis la France, vous êtes tous salués. Bonjour à vous et merci encore d'être là pour nous. Merci encore pour le temps que vous avez consacré pour voir suivre l'émission Bonjour Matinale. Et nous sommes très contents d'être avec vous. Et nous serons toujours satisfaits et très contents d'être également avec vous. Excusez-moi, si tu permets, Moustapha, je vais pour le vendredi prochain. Vendredi prochain. À 10h. Vous appelez, hein, mais déjà, on va vous donner le sujet dont on parlera ce vendredi prochain. Ça concerne ici, à Jamé. Les week-ends, les gens barrent toutes les rues. Oui. On en parlera parce que quand on a fait la semaine du quartier, dans 3 quartiers déjà, ça ressort. Les week-ends, les gens ont du mal à sortir du quartier ou à rentrer dans le quartier. Parfois même, c'est avec un malade. Tu as un malade, tu vas sortir du quartier, toutes les rues sont barrées, il y a des cérémonies partout. Donc ça, c'est un avant-goût aussi. Mais le vendredi prochain, à partir de 10h, nous en parlerons. On va en parler, et ça sera en parler. Tout sera détaillé ici depuis l'aide d'Abrassa. Et toute bonne chose à une ferme. C'est tout ça. Ce qui est intéressant, vraiment à une fin. Oui. Et notre émission tire déjà sa fin. Et remerciements à tous ceux qui ont appelé, tous ceux qui nous ont appelé, qui n'ont pas pu appeler. Nous restons là pour saluer tous ceux qui étaient avec nous en direct depuis l'aide d'Abrassa. Oui. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent de près ou de loin. Merci. Voilà, et ne pas oublier les techniciens aussi qui ont mis tout en place pour que tout se passe bien. À l'occurrence, Monsieur Tini, vraiment. Merci également à vous et à vous tous également. Merci à Ibissa Design, à Alain César, à Dina Service, à Librairie Traoré, à vous tous pour la confiance. Pour la confiance. Merci. Et c'est un plaisir pour nous. Vendredi prochain, si Dieu le veut, que Dieu nous garde tous. Bon début de week-end à tous. Et au revoir.